Nous sommes au cimetière privé Bouka, qui à première vue présente un environnement déplorable. On aperçoit la plupart des tombes envahies par les hautes herbes, d'autres détruites par des arbustes ayant pris une dimension expansionnelle, et d'autres encore complètement éventrées du fait des érosions qui les touchent en temps de pluie. Ce qui profite bien souvent, on a des carnivores à l'image des chiens. La zone devient un espace de prolifération des serpents de tout acabit. Cet état des lieux n'honore pas la mémoire de ceux qui nous ont précédés comme étant l'une de leurs dernières demeures. Et ceux qui un jour ont justement été pour tel ou tel autre un proche ou un cher parent, qu'il conviendrait de les garder dans un environnement sain, les maintenir dans un cadre aussi bien idéal qu'approprié, envie de les épargner et protéger de toutes sortes de profanations possibles dont ils pourraient être victimes. Ainsi, pèlerins sous la terre des hommes, nous le sommes, l'un après l'autre, nous passerons.